reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous sommes de retour pour une vidéo où je vais vous parler de la musique et de beaucoup de choses qui se passent dans la musique. Hier, je vous ai parlé de pourquoi aujourd'hui, dans les clips, il y a de plus en plus de scènes X. C'est une des scènes qui nous rappelle ce qui se passe dans les films pornographiques. Et je vous ai clairement dit que si les gens font ça, c'est parce que ils cherchent à attirer l'attention de beaucoup de personnes et que derrière, l'argent puisse en sortir. Vous voyez, c'est juste ça. Et ça devient comme leur prix à payer. Ils doivent tout faire pour mettre des trucs pareils, même s'ils savent que c'est un péché. Vous voyez, non? Même s'ils savent que c'est un péché. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle la musique sorcière ou encore la sorcellerie dans la musique. C'est quoi la sorcellerie dans la musique? Est-ce qu'on peut utiliser une chanson pour faire la sorcellerie? Tout ça, c'est de ça que je vais vous parler là maintenant, mes frères. Écoutez-moi bien. Ce monde est vraiment très compliqué. Et les gens sont prêts à tout pour pouvoir réussir. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Vous voyez, non? Mais quand on touche à des choses interdites, c'est pas bien. Là, où on parle de la sorcellerie de la musique, c'est une chose qui va bien au-delà du simple stade de dire chercher de l'argent. Déjà, ce sont des gens qui utilisent des forces de la sorcellerie, le pouvoir de la sorcellerie pour chercher l'argent, pour se faire de l'argent. Vraiment, ils utilisent les forces occultes pour se faire de l'argent. Ces gens-là, à la base, ce sont des sorciers. Et des sorciers qui ont été préparés depuis le monde des ténèbres pour venir dans ce monde-là juste avec des chansons, des danses qui les accompagnent. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la chorégraphie. Mais toutes ces choses viennent du monde des ténèbres. Et cette musique-là, c'est une musique sorcière. La danse qui accompagne est appelée la danse des sorciers. Mais vous ne pouvez pas reconnaître cela facilement. Non, vous ne pouvez pas reconnaître cela facilement. Et ça, ce n'est pas de la blague. La musique pour envoûter est un danger pour vous. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on vous fait adorer le diable sans vous en rendre compte. On vous fait adorer le diable sans vous en rendre compte. Qu'est-ce qu'on vous dit? On dit, oh, on dit, il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu. Oh, Dieu est bon, il faut le louer, il faut l'honorer, il est vraiment merveilleux. Mais quand vous ne louez pas Dieu, quand vous ne l'adorez pas, c'est qui vous adorez à ce moment-là? S'il y a bien une voix, hein, une grande voix, hein, que les gens prennent pour adorer un autre Dieu que le vrai Dieu, c'est bien la musique profane. Dans la musique profane, chacun se lève, il chante tout et n'importe quoi. Tout ce qui lui passe par la tête. Souvent, il chante des chansons, mais on ne comprend même plus rien. Et les gens disent, il faut juste écouter la chanson là seulement et tu danses. Comment est-ce qu'il doit seulement écouter une chanson et danser sans savoir le sens de la chanson? Ce qui est grave, c'est qu'à un moment donné, là, ils en profitent pour mettre dans ces chansons-là des incantations. Ou bien non, des incantations. C'est-à-dire, dans la chanson, il y a une parole qu'ils prononcent à un moment donné.
cette parole-là invoque les démons. Vous voyez, non? Dès que vous prononcez cette parole-là, un démon apparaît, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez, non? Et vous vous mettez à chanter ça, à prononcer la parole. Dès que vous prononcez ça, le démon apparaît, il fait ce qu'il a envie de faire, et il part. Ou bien il reste, ça dépendra de lui. Mais pour aller vous visiter, quand il veut, parce que vous l'avez invoqué une fois, au travers de quoi? De la musique, au travers d'une chanson, au travers des paroles de cette chanson. Et c'est ça le danger de la musique sorcière. Il y a un gars là, lui il allait souvent faire un concert. Quand il arrive à son concert, il chante jusqu'à un moment donné, il dit au demande musicien, s'arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Et il prononce une parole, genre qui ressemble à Sankai. Quand il dit Sankai là, tout le monde dans la salle aussi répète la chose. Et puis, à un moment donné, il dit, quelle boule! Il dit, à un moment donné, il dit, quelle boule! Il chante jusqu'à un moment donné, ça devient un tic. Quelle boule! Tout le monde se dit, mais ah, quelle boule, ça veut dire quoi? Mais comme c'est la chanson, comme tout le monde danse, c'est devenu populaire, ça passe. ça laisse passer toutes les personnes qui répètent les mêmes choses là. C'est tout de les histoires. C'est ce qu'on appelle la musique pour faire de la sorcellerie. La musique pour créer des problèmes aux gens, pour avoir du succès soi-même. Et pour avoir souvent, certains stars vont aller faire leur concert, ces stars-là vont prendre la bénédiction du diable. Et comment certains vont prendre la bénédiction du diable? Souvent, certains vont dormir aussi à la morgue, parmi les morts là-bas. Et là où les morts dorment, là, ils vont dormir là-bas aussi. Et ils coupent les ongles des morts, des cheveux pour des rituels, afin que le concert puisse réussir. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont venir à ce concert seront envoûtées. Envoûtées. Toi, mais tu es là sur toi là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe, ça t'attire. Ça t'attire comme ça. Ça t'attire. Je dis, mais, what? Il faut que j'aille à ce concert à 100%. C'est vrai, qu'il y a des choses, mais il y a des choses à faire, mais il faut que j'aille à ce concert-là. Et tu es chaud. Tu es même prêt. Et tu arrives là-bas, tu t'en fais tout ce que tu as envie de faire. Souvent, quand les trucs pareils se passent, il peut y avoir des morts. Quand il y a des morts, les gens disent que ce sont des gens qui ont été trop fans. Toi, mais ils ont été fans là jusqu'à ce qu'ils se sont étouffés et ils sont morts. Souvent, vous entendez, oh, il y a une explosion là-bas. Oh, c'est. Donc, on dit, oh, ce sont des attaques terroristes. Nous, nous savons ce qui se passe. Il y a des sacrifices. Quand un chanteur est à une main dans les forces occultes, à un moment donné, il faut que quelque chose se passe. Soit quelqu'un meurt avant son concert, ou quelqu'un meurt pendant son concert, ou après son concert. C'est-à-dire, il y a des trucs pareils comme ça qui se passent. Le sang doit couler, le sang doit verser. Oui, et ce sont les sacrifices. J'utilise les fans souvent pour de telles choses. Le problème avec ça, c'est que ça finit toujours mal à la fin. Ça finit mal à la fin. C'est ça le problème avec ça. Maintenant, les gens sont dans la confusion. Les gens sont perdus. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Si tu écoutes tout et n'importe quoi, bon, c'est toi qui vois. Mais il faut savoir ce que tu écoutes parce que je te dis aujourd'hui, je t'informe qu'il y a des gens de musique qui existent. Quand tu les écoutes, vraiment, ça dérange ta tête. Ça peut même te pousser même à te suicider. Ou te pousser même à devenir violent. Oui. Et ce sont des champs de choses bien réelles. Au départ, ça restait à ce genre de choses, des champs d'images qu'on a l'habitude de voir dans les clips où on voit les gens qui montrent les filles, beaucoup de femmes qui exposent leur corps et tout ça.
Mais aujourd'hui, ça a dépassé le niveau. C'est devenu maintenant la sorcellerie. Quand vous regardez un clip et que vous voyez une femme sexy, comment vous vous sentez? Ça vous fait bouger. Et à cause de ça, c'est de la confusion, c'est des problèmes. Ça là seulement, ça peut vous faire manquer le paradis. Juste ça seulement, hein. Ça peut vous faire manquer le paradis. Mais là, c'est cette star, cet artiste-là, qui chante comme ça, là, c'est qu'est-ce qu'il a été de faire? Il a été de travailler pour le diable. Il a dit que le star de la musique, tu travailles pour le diable. Ça veut dire que le star de la musique contribue beaucoup à la destruction de notre société. Oui. Beaucoup. Regardez un peu les chansons qu'on entend aujourd'hui. Dans les chansons, surtout du rap, hein, on entend les gens insulter d'autres personnes. Les histoires de clash. Là. Les clashs, c'est comme la guerre. Les clashs, c'est comme la guerre. La vraie guerre même, où les gens se tuent. C'est par là que ça commence toujours. C'est par là que ça commence. Et puis, ça se termine en beaucoup de choses là derrière. Ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter. C'est ce qui a la mode, c'est ainsi que les gens se plaisent là-dedans parce qu'ils se disent que ça rapporte de l'argent. Mais oui, ça rapporte de l'argent parce que c'est très dangereux. C'est dangereux, ça rapporte de l'argent, mais c'est dangereux. C'est très dangereux que vous risquez de vous retrouver dans les problèmes à un moment donné. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Ça, je vous assure vraiment. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas fait pour nous arranger, même si il nous fait croire qu'il est là pour nous faire plaisir. C'est pas de la blague, hein. Quand tu écoutes une chanson là, tu entends la mélodie, au départ tu penses que ça t'arrange. Mais quand tu écoutes ça une fois, tu écoutes ça deux fois, tu écoutes ça trois fois et que tu sens que ça ne parle pas de Dieu, ça commence à devenir comme une chose éphémère. C'est comme si tu écoutes cette chanson, mais ça ne t'apporte rien de bon. C'est juste pour t'amuser, c'est l'amusement. On va s'en gérer, on va danser. Même vous avez fini de danser, vous avez dit, bon, allons boire une bière. Ou bien allons faire des choses qui n'ont aucun sens. La musique que tu dois écouter, c'est une musique qui va soigner ton âme. La musique, la chanson que tu dois écouter, là, c'est une chanson qui va t'apporter quelque chose. Parce que quand tu vas écouter cette chanson, ça va connecter ton esprit à Dieu. Et si ça connecte ton esprit à Dieu, le Saint-Esprit, tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Voici comment tu seras soulagé. Et même un miracle peut se produire dans ta vie. Et même beaucoup, ça peut te motiver. Si tu es découragé, ça peut te donner la force de pouvoir vraiment avancer, trouver les moyens de réussir sur le bon chemin. C'est ce que nous devons tous rechercher. Mais malheureusement, il n'y a plus de telle musique aujourd'hui. C'est rare. Mais nous pouvons nous-mêmes chanter. Nous pouvons nous-mêmes chanter. Tu peux louer Dieu avec tes propres mots. Et ce que tu as dit qui te vient du cœur va toucher Dieu aussi. Voici comment tu vas descendre la pluie sur ta maison. C'est-à-dire la bénédiction sur ta maison. Afin que tu sois béni. En chantant, on reçoit la bénédiction. C'est l'un des moyens les plus sûrs pour recevoir vraiment une bénédiction venant de Dieu. Quand on adore Dieu en esprit en vérité, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Mais vous les ignorez cela. La musique profane vraiment. C'est un boulevard qui envoie les gens dans les problèmes. Ouais. C'est une autoroute qui envoie les gens dans les histoires. Oui. Quand quelqu'un en colère fait une chanson, il insulte l'autre. Il lui dit des mots qui n'ont aucun sens. Maintenant, tout le monde est dans ça. Regardez même ce qui se passe. Les clashs, c'était quelqu'un, un artiste peut venir dans un endroit, faire
elle était vieux. En même temps, un autre va apparaître là-bas. Et puis la bagarre commence. Aux États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand ils sont en colère, soit ils se bagarrent, soit ils s'entretuent. C'est tif là-dessus. Il y a une star de la musique qui est partie très jeune. X-Tentation. Tu es dans sa voiture, sa nouvelle voiture que vous venez d'acheter. Une voiture très chère. C'est un jour où vous permet d'avoir beaucoup d'argent, certes. Mais le problème qui est derrière là, ça risque de vous conduire à la mort. Telle musique. Quand ça commence par des clips où on montre les filles sexy, ça termine toujours par la sorcellerie. Même souvent, il y a des gens qui chantaient là. Les activités aux États-Unis. Et sur la pochette d'album là, on voit une écriture renversée. C'est-à-dire quand tu prends l'album et que tu tournes là, là où tu es censé voir les titres là, ou quelques phrases, quelques mots, là-bas tu vois que c'est écrit mais en renversé. Si toi tu vois ça, ne lis jamais. Hein. Souvent, ce sont les malédictions. Les paroles de malédiction qui sont là. Certains sont allés se positionner devant le miroir, juste pour pouvoir voir ce qui était dessus. Hey, la malédiction de ça! Mon frère, demande pardon à Dieu. Que Dieu te purifie aujourd'hui. Que Dieu nous purifie tous. Tous. Parce que vraiment, nous avons écouté des trucs. Moi, j'ai écouté des tonnes de musique. C'est pas étonnant que l'une aux yeux verts à son conseil dit, ils disent que, vous tous qui avez écouté ma musique, vous irez tous en enfer. Vous n'irez pas au paradis. Vous n'allez même pas vous envoler au paradis. Il dit parce que vous avez écouté ma musique des millions de fois. Il a dit ouvertement à ses fans. Mais ses fans, jusqu'à aujourd'hui, pensent que c'est de la blague. Qu'en pensez-vous? C'est ça, la musique sorcière. Ha! Ou la musique des sorciers. Pas de vos propres vidéos. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous pouvez abonner à cette chaîne. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.